Pas joli. Vraiment pas joli. En fait, on m'avait averti qu'il y avait un fil de barbelé qui traînait dans le sentier, dans le long du sentier des trotteurs en montant vers le premier point de ralliement, ce qui veut dire la petite pancarte qui vous indique où est-ce que vous êtes. Et puis, j'ai fait une belle pêche de fil de barbelé d'environ 3 pieds de long, à peu près. Donc, voilà. Des fois, on pense qu'il est plus long que ça, mais en fait, il n'est pas si long que ça. Donc, même au besoin, j'avais porté des sécateurs très sévères pour couper ce genre de truc-là. Mais là, en fait, c'est de savoir s'il en reste d'autres. Bien souvent, les gens s'aventurent dans les sentiers et ils ne se posent jamais les bonnes questions de qu'est-ce qui traîne sous leurs pieds, en fait. Donc, éventuellement, si on se posait les vraies questions, qu'est-ce qui traîne sous nos pieds, on serait beaucoup plus vigilant, vigilante hein, sur qu'est-ce qui traîne. Est-ce que j'en vois une autre ici? Faut toujours vérifier avec nos doigts. Ça, c'est une racine. Revenir sur mes pas du côté droit, on ne sait jamais. Je vous reviens là-dessus. Allez, à tantôt. Me revoici à quelques pas plus loin. Donc, on va dire en mètres, environ une vingtaine de mètres plus loin. Vous voyez la souche quoi, qui est là au bout de mon doigt? J'étais là tout à l'heure. Un petit peu en arrière, en fait. Puis là, j'ai continué mon chemin. J'ai apporté avec moi le bout de barbelé que j'avais dans les mains. Et puis, je viens de trouver l'autre partie. Tiens donc, une bonne pêche aujourd'hui. Enfouie sous la terre complètement. Et pas beaucoup de monde se pose la question, qu'est-ce qu'il y a sur leurs pieds encore une fois? Et voilà, donc j'ai environ 2 mètres. 2 mètres de barbelé. Évidemment, je ne vais pas les laisser là. Je vais les rapporter avec moi. Regardez, là, je vais vous montrer, là, si vous êtes très observateur, observatrice. Regardez au bout du bout de bois. Regardez. Il est presque révélé par le piétinement des êtres humains, l'eau, l'érosion et le gel et le dégel. Et quand on dit qu'il faut faire attention où est-ce qu'il faut mettre les pieds, comme tout à l'heure j'ai croisé. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle pêche-là. Incroyable. Vraiment incroyable ce qu'on peut trouver sous terre, qui a été laissé par certains propriétaires. Oui, le sentier est ouvert à tout le monde, mais ça ne veut pas signifier que le propriétaire s'occupe nécessairement de cet endroit-là à chaque fois qu'il visite son érablière. Ça dépend de son intérêt, c'est son choix, en fait. Nous avons une permission de passer par là, dans le sentier des trotteurs, oui, mais par contre, il faut respecter les lieux. Mais en même temps, c'est au tour du propriétaire de se ramasser. Là, il y en a qui vont me jeter des éclairs, c'est normal. Mais en même temps, c'est responsabilité publique. Si on fait ouvrir une partie de terrain à un public quelconque, il faut se ramasser, en fait. Il faut rendre les lieux sécuritaires. Parce qu'auparavant, ici même, là, le sentier n'était pas aussi large que ça. Vous voyez là? Vous voyez mes deux doigts? Je vais me placer un petit peu plus devant. Vous voyez mes deux doigts? Normalement, le sentier là, en fait, le sentier était large comme ça à l'époque. Pas plus que ça. Pourquoi ça l'a élargi? Comme je disais, érosion, gel dégel, piétinement de l'être humain, ou des chiens, peu importe.
Ça peut être également des gens qui évitent les sentiers boueux, donc ils vont contourner un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, et ainsi de suite. Ils vont élargir, 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 élargir. Pour ceux qui n'ont pas souvenir de ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On est quelques-uns à se remémorer ce genre de choses-là. Donc, il y a des choses qu'il faut se rappeler dans le quotidien de la vie mortelle de l'homme, que pour certaines affaires, on n'a pas besoin d'être payé pour faire une bonne action, en fait. Pour terminer ça en beauté, en fait. Regardez la pêche que j'ai eue. Donc, 1, 2, 3, 4 broches. 3 broches, en fait. 3 fils de barbelés qui ont été laissés pour contre, oubliés, littéralement par les années. Et c'est pas les seuls, en fait. Plusieurs d'entre les randonneurs, les coureurs et randonneurs nordiques comme moi, on en voit beaucoup, en fait, ici. C'est sûr qu'on voit pas toujours la même perception. On n'a pas la même perception de terrain tout le temps, tout dépendamment de la journée. Parce que plus la journée avance, plus la fatigue s'amorce. Donc, voilà. Ce qui met fin à cette petite animation, encore une fois, sur la sécurité des sentiers, il faut que ce soit une vigilance de chacun d'entre vous. Si vous vous fiez seulement au propriétaire, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez pas faire ça. Parce que dans un domaine privé, premièrement, c'est privé. Et puis, quand c'est privé, il y a une seule personne qui détient ce territoire-là. Il ne va pas vraiment s'occuper de tout ce qu'il y a là-dessus. Il va s'occuper de qu'est-ce qui lui appartient de droit. Oui. Il a accepté qu'un sentier puisse traverser son territoire, mais par contre, si on a un manque de bon comportement, c'est une bonne responsabilité volontaire et vigilance. Si on n'a pas ça, en fait, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut décider du jour au lendemain de refuser l'accès à ce sentier, en fait. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que le propriétaire est devenu rouge comme une tomate parce que beaucoup levaient et descendaient les tubes d'érable. Mais par contre, de ce que je peux partager là-dessus, en plein hiver, le sentier qui remonte la crête entre le mont Saint-Michel et le mont Tabasco, la crête qui fait office de chemin de ski de fond l'hiver ou de randonnée pédestre et de vélo de montagne l'hiver. Ce qu'il faut retenir là-dessus, l'hiver, vu que la randonnée pédestre, on n'a pas le droit de passer par là, parce que beaucoup de monde levait et descendait les tubes d'érablière, à côté du sentier. Ils passaient en dessous, ils se faufilaient d'un bord et de l'autre, et des fois, les tubes se délogeaient des adaptateurs d'érable, en fait. Mais la chose que je peux vous partager là-dessus, en plein hiver, souvent, et ça c'est même fréquent, les tubes qui traversent un sentier, c'est pas juste ici, il y en a un peu partout. Exemple au Mont-Ham, il y en a pas mal, même beaucoup sur la face nord-est de la montagne, donc derrière, exemple sur le sentier de l'Épervier et du Bouleau, il y en a beaucoup là-bas. Et les tubes, ils sont à ce niveau-là. Et pourtant, je suis dans le sentier. Donc, je dois me pencher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut se rappeler, l'hiver, la terre gèle, elle gonfle, elle surlève de un pied ou un demi-pied la terre, et ensuite, il y a la neige. Et quand la neige arrive, bien, plus il y a des gens qui passent, mais plus la neige, elle est compactée et ça augmente en épaisseur. Donc, c'est pour ça que les tubes sont beaucoup plus bas en hiver. Alors qu'en été, on n'a pas l'impression qu'ils sont très bas, ils sont comme juste au-dessus de notre tête. Quoi penser de plus de ça? Je vous ai parlé des fils de barbelés encore à nouveau, sentiers sécurité sur les
sentiers de sécurité sont de la part de ceux qui visitent les lieux et de respecter également les bornes qui délimitent le territoire de la personne. Donc, exemple, côté à gauche qui est là appartient. En fait, appartient au propriétaire, oui, mais là, vu qu'il y a d'autres tubes de ce côté-là, partout, jusqu'en bas là-bas, tout le domaine lui appartient. Donc, c'est pour ça, le laisser-passer est assez important, et puis de respecter les lieux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi, ce que c'est la responsabilité volontaire des lieux, ou le bon comportement du randonneur, du vététiste ou du fondeur, donc le fondeur qui, les gens qui font du, qui pratiquent le ski de fond ou les raquettes, peu importe la discipline que vous pratiquez. Si vous omettez ce genre de choses-là, le respect des lieux, qu'est-ce qu'il peut arriver par la suite? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de me revenir là-dessus. Juste à mijoter ça à votre, dans votre tête. Et puis, de vous poser les bonnes questions. Si j'ai un mauvais comportement sur un sentier, qu'est-ce qui peut arriver? Ah oui, c'est sûr, les policiers ne sont jamais là, le propriétaire n'est pas toujours là non plus, il n'y a pas de caméra, on peut faire n'importe quoi. Sauf que c'est les gens qui passent par la suite de votre passage. Si vous avez eu un mauvais comportement, les autres le perçoivent. Juste cet hiver, ici même dans le sentier, sentier des trotteurs, local à Victoriaville même, cet arbre-là, en fait, cet arbre-là ici, même à quelques autres arbres accrochés sur les branches d'un bord et de l'autre, j'étais pas le seul à trouver des sacs de sel de chien accrochés sur les arbres ou déposés à côté des arbres, laissés dans le sac. Question. Pourquoi vous vous munissez des sacs et vous les laissez là, sans les rapporter? Est-ce que c'est répugnant? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions là-dedans. Donc, moi et quelques-uns, on fait pas mal le ménage là-dessus. Mais c'est perpétuel, c'est en constant. On recommence tout le temps la même affaire. Donc, c'était Vincent Germain à vincentgermain.ca. Je vous laisse là-dessus. Bon temps dehors. Bonne randonnée montagne. Prudence pour vous. Allez, à la prochaine.